Touchez pas aux clowns, laissez les clowns. Bonjour tout le monde. Halte au massacre des bodies et temps. Halte au massacre des clowns. Ah, c'est des chevaux qui le marchent, hein. Ils ont des trucs incroyables. La Scientologie est une association internationale de malfaiteurs. Attention, mesdames et messieurs, les scientologues sont situés dans le quartier. Vous aussi, vous restez relativement calme, les autres Cylons. Je n'ai pas l'impression, moi, enfin, de me péter la gueule. Vous allez peut-être vous lasser quand vous verrez que vous n'arrivez pas à me taper. Ça marche pas. Avec la musique ? Ouais. La musique. Dans le siège de la Scientologie, ces trois, nous les rencontrons.
Vous savez pas, mais je veux dire, non, mais attendez. À la main. Ils l'ont fait tomber tout de suite. Ils ont essayé d'arracher son masque, mais il avait un masque sous son masque. Voilà, j'ai un deuxième masque. Et on a fini donc. La police est venue en moins d'un quart d'heure. C'était dans le 12e arrondissement, c'était pas ici. C'est la même organisation, mais dans le 12e arrondissement. Pas dire d'autre. On a fini donc la journée d'urgence. Ensuite, on a été au commissariat local pour faire un dépôt de plainte. L'agresseur, le principal agresseur, a été arrêté. Il a été arrêté, il a été entendu. Il a reconnu déjà les faits de violence. Et ces faits de violence. Violence en réunion. Devant des personnes mineures, hein, monsieur avait ses deux enfants. Il n'a surtout pas apprécié, c'est qu'on dise non aux enfants dans les sacs. Et il dit que c'est ça qui a été la cause de l'insulte. Il a dit qu'on l'avait insulté parce que j'ai dit non aux enfants dans les sacs. Voilà. Le monsieur a pété les plombs, il est venu sur moi, il s'est jeté, j'ai vu que j'allais être agressé. Donc moi j'ai essayé de traverser la rue, il m'a balayé, il m'a fauché. Et après sur le sol, il s'est carrément assis sur moi. Bon, moi j'ai été sonné, j'en ai pris plein le visage. Et ils m'ont filé aussi des bons coups de pied dans les oreilles, des coups de pied sur le visage, mais c'est en train de disparaître. Ils ont essayé de nous empêcher d'appeler la police puisqu'ils m'ont fait tomber mon téléphone par terre. Ils sont mis à trois sur moi pour me plaquer contre le mur et pour essayer de me donner des coups de poing. Donc je les ai simplement repoussés puisque notre mouvement est 100% pacifiste. Et donc j'espère que la justice nous aidera à faire la lumière sur tout ça et à condamner les responsables. Bien sûr, madame. Et je précise à Daniel Boulard qu'il n'est pas bien d'essayer de voler nos affaires, surtout quand on est la responsable de la justice. Attention, les dames, s'il vous plaît. Donc ce que nous demandons, c'est la dissolution et l'interdiction de la scientologie. Et dans un deuxième temps, c'est l'adoption d'une loi qui la scientologie répond à la sagesse et à la bonheur. Ce sont des choses, c'est une vérité universelle que ces choses-là ne s'achètent pas.
Ça, le mal, je le regrette. Il a fait du mal à Nono. Ah, fallait pas toucher un clown. Laissez nos enfants tranquilles. Les enfants doivent aller à l'école. Ils doivent pas faire de la scientologie. Les enfants doivent aller à l'école. Merci. Donc, il y a quelques élus. Il y a quelques élus de la ville de Paris qui sont venus. Merci de à personne, parce que je crois qu'on se connaît sur le travail de quartier. Merci. Je tiens à exprimer ma solidarité à Nono, que je connais depuis pas mal d'années maintenant. Je connais ses combats, je connais aussi tout ce qu'il fait pour la vie du quartier. Et c'était important pour moi de lui montrer mon soutien et aussi de montrer notre attachement aux valeurs de la République, au respect des lois de notre pays et contre les phénomènes sectaires. Voilà. Je ne suis pas vraiment ici en tant que maquette, plutôt en tant que citoyen, comme le sont tous les gens ici en tant qu'anonyme. Je crois qu'il y a un vrai problème en tant que citoyen, justement, une genre de structure, qui est une belle verrue sociale, de mon point de vue. Je ne sais pas si on s'en débarrassera dans les mois qui viennent, mais on peut déjà essayer de communiquer là-dessus et de partager l'information. Je pense à les énerves particulièrement, et de continuer à travailler là-dessus. En tout cas, merci aux copains, merci à tous les amis de l'association Macaque, et merci aussi aux Rififi des Batignolles, avec lesquels on arrive à faire des activités dans le quartier une fois par an. Jean-Paul, merci aussi pour ton travail intercommunautaire avec les différents groupes religieux et confessionnels. Merci aux camarades, aux amis anonymes et ceux que je connais pas. Rester vigilant, et on ne peut pas accepter que toutes les formes de totalitarisme, ou quand on n'est pas d'accord, qu'on ne soit pas d'accord avec une personne, un groupe qui se dit soi-disant religieux, on vienne à utiliser ce type de violence. Ben voilà quoi, c'est personnellement, c'est la cinquième agression. Les quatre premières n'ont pas eu de suite, elles ont été abandonnées chez le procureur. J'ai pas demandé à aller plus loin. Mais là, cette fois-ci, avec cette agression et tout ce que ça, j'abandonnerai pas cette fois-ci. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous pouvez tuer un homme, mais vous n'arriverez pas à tuer une idée. Et comme disait Lucie Aubrac, le verbe résister se conjugue au présent. Nous nous adressons à la classe politique. Nous voulons une loi qui réprime spécifiquement et sévèrement l'escroquerie à l'alibi religieux. Pour nous, en matière d'escroquerie, l'alibi religieux devrait être une circonstance aggravante, très sévèrement punie. Pas de ça chez nous, dehors. La scientologie, une bande organisée d'escrocs, n'a rien à faire sur le territoire national, n'a rien à faire sur le territoire de la République laïque. Et dans un deuxième temps, c'est bientôt fini pour vous. C'est game over. Le 3 novembre prochain, le procès en appel de la scientologie pour escroquerie en bande organisée va s'ouvrir devant les tribunaux. Et nous espérons, nous avons l'espoir.
une enquête du FBI pour trafic d'êtres humains. La scientologie est poursuivie en Belgique. La scientologie est poursuivie en Australie. Nous pensons que le coup de grâce contre la scientologie pour des raisons historiques jetterait à l'histoire de la France et à l'histoire de la laïcité. Ce coup de grâce doit être porté en France. Et nous en appelons à toute la classe politique, à tous les militants, à tous les citoyens, pour que la scientologie soit dissoute et interdite. Thank you.
capitaine américain aujourd'hui. Loué soit-il. De l'autre côté, c'est plus facile. Loué soit Xenu. Loué soit Xenu. Regardez la caméra fuit. La caméra fuit. C'est merveilleux. Les briques. Cette ville en 77, ils l'occupent. Et c'est leur bon sang, Théode. Et il y a 3 ans, il y a un scientologue qui a pété les plombs, qui a tapé. Les coups et blessures de la part de scientologues envers des Anonymous, avec des personnes avec masque ou des gens sans masque, depuis une douzaine d'années, ça pourrait être quelques centaines de. Ça pourrait être une centaine de cas déjà. Moi personnellement j'ai déjà été attaqué 5 fois. J'avais pas porté plainte jusqu'alors parce que c'est des démarches qui sont. Je me suis fait agresser 2 ou 3 fois ici. Une fois j'ai perdu 3 appareils photo parce que j'ose montrer, parce que je viens avec un panneau. On a une association, moi il y a plein d'associations. Je travaille avec une association de quartier qui s'appelle MACAC. C'est une association culturelle. Je travaille avec des représentants de différents partis politiques ou associatifs. Ils sont exaspérés, ils en ont marre, je crois, à force. Salut, bonjour. Ils commencent à en avoir, ils en ont marre parce que ils sont moins prosélytes qu'ils l'ont été à une certaine époque. Maintenant, ils distribuent plus leur propagande dans le quartier, ils vont plus loin. On les retrouve par exemple à Terre, devant la FNAC des 1. On les retrouve aussi. Ils vont souvent à la gare Saint-Lazare. Cette semaine encore, à la gare Saint-Lazare, 2 jours après mon agression, il y a un Asiatique qui venait vers moi, je lui dis toi, tu n'as pas le droit de distribuer devant la gare. La gare, ça appartient à la SNCF, ça appartient à la RATP. Et le gars, il était devant moi avec la méthode de qu'est-ce que tu vas faire. Et je lui dis, bonjour, la fille, je lui dis, il ne faut pas que tu restes ici, tu n'as pas le droit. Et le mec, il dit, je vais te défoncer la gueule si tu restes là.